Bien, salut à tous, bon retour sur Tech Carnival. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier vlog, un nouveau vlog, première vidéo pour cette année 2024. Donc, déjà, avant de commencer, belle année 2024. Je vous la souhaite belle et magique. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit un peu particulier. Je me retrouve en banlieue parisienne, à Versailles. Vous avez l'habitude de me retrouver à Grande Canaria au soleil. Là, il y a du soleil, mais il y a aussi un peu de neige, donc c'est quelque chose voilà, qui change, mais j'avais envie de vous faire découvrir une belle exposition qui tourne autour de l'animation japonaise, du Japon et des robots. Voilà. C'est vrai que d'habitude sur Tech Carnival, je vous partage mes collections plutôt dolls et toys, mais là c'est vrai que comme je vous l'avais déjà plus ou moins évoqué dans des précédentes vidéos, j'aime aussi beaucoup les robots. Donc, comme la ville de Versailles et l'espace Freak Show à Versailles, en banlieue parisienne, proposent donc cette exposition incroyable autour de l'animation japonaise et des robots, j'avais très envie de la découvrir et de vous la partager avec vous. Donc, tout de suite, je vais me diriger vers l'entrée parce que là, je suis dans la cour de l'espace Freak Show, je pense, c'est pas par là qu'on rentre. Voilà. Donc, je vais de ce pas me diriger et trouver l'entrée. Comme vous voyez, il y a pas mal d'illustrations et aussi ce qui est très intéressant, c'est tous les jouets, cette collection incroyable de jouets. Donc là, on a Astro, on a Tetsujin 28, incroyable.
Alors là, on va arriver dans une section qui est un peu particulière. Elle va traiter du tokusatsu et des Super Sentai. Bon, la jeune génération actuellement ne connaît que les Power Rangers, mais il faut savoir qu'à l'époque, qu'à l'origine, les Power Rangers, c'est du Super Sentai, du tokusatsu. C'est tous ces super-héros japonais, soit Super Sentai, donc les escadrons de 5 justiciers de toutes les couleurs, ou bien des justiciers solitaires type Ixor, Ultraman ou Kamen Rider. Et donc, ils sont aussi mis à l'honneur durant cette exposition, parce qu'évidemment, il y a des robots. Donc là, par exemple, on a les Turbo Rangers. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir à cause du soleil. On va essayer d'éclaircir. Non, vous ne voyez pas bien. Donc là, on a les Turbo Rangers qui sont passés à la télé hein, dans les années fin 90. Ils sont passés à la fin mi-90. Là, on a les Five Man. Aussi, il y a eu quelques épisodes. À l'époque, au Club Dorothée, pour ceux qui connaissent. C'est dommage, le soleil, ça empêche la visibilité. Alors là, on a, je crois, la base des Five Man qui se transforme en robot. Je crois que c'est la base des Five Man. À moins que ça soit celle-là. Non, à mon avis, ça c'était la base des Turbo Rangers. Et ça c'est la base des Five Man qui se transforment en robots. On voit pas bien. Alors on a les Mask Man. Non. Si c'est les Mask Man, Bioman 2, et là on a les Turbo Rangers. Alors j'ai la chance de posséder la force rose, hein, si je ne me trompe pas, celle-ci. J'ai une version de Turbo Red aussi, parce que je suis un très grand fan de Super Sentai. Ça, il y a un temps, j'en ai rigolé aussi, je me rends fou. C'était dans mes rêves, c'est dans ma tête, tu n'arriveras jamais. Et puis maintenant, c'est là, donc je viens de voir une chance directe. Et dedans, il y avait des Goldorak. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Je regarde ça avec mes yeux de gosse de 7 ans. Et vraiment, de là, on commence un peu à essayer de se renseigner, et puis à découvrir tout ce que le Japon a pu créer autour de ces animes, de ces mangas des années 70 qu'on n'a jamais eu en France. Cette espèce de robot immense, piloté par des humains qui combattent des forces intergalactiques. Il y a déjà un rapport, un lien très fort entre l'homme et la machine. Et nous, en fait, ça sortait complètement d'un imaginaire occidental qu'on avait. Et c'était la première fois qu'en fait, dans ces dessins animés, les héros sont des jeunes gens qui sauvaient un peu l'humanité. Et à travers ces mangas, je pense que s'exprime la faillite des adultes et comment les enfants potentiellement peuvent reprendre le contrôle. Et c'est vrai que les jeunes enfants, tout de suite, on était fasciné par ça. La cote, c'est les collectionneurs qui la font. C'est des pièces qui sont vraiment, vraiment recherchées. Il y en a certains où il y a eu très peu d'éditions. Donc ça, par le fait qu'ils sont très rares, comme le Deku Marine DX qui sera présenté aussi ici.
Là, il va y avoir le robot géant Blackfire qui va être exposé dans la chapelle, qui fait 4 mètres 50 de haut, qui a été produit par un studio de FX à Bangkok. Après, évidemment, en France, toutes les déclinaisons que je vais montrer de Goldorak vont être forcément emblématiques, parce que les retrouver dans un musée comme ça, ça va me rappeler aux gens de 35-40 ans leur jouet d'enfance. Après, Astro Boy aussi, qui sera présenté dans sa première version, qui a été imaginé par Osamu Tezuka, qui est le père du manga, c'est-à-dire ce petit garçon un peu à l'image de Pinocchio, créé par un chercheur désespéré par la mort de son fils. Et cette fois, on voit Astro Boy, et le robot le plus fort de l'humanité. Et son père va lui dire cette phrase très juste: avec ce pouvoir que tu as, tu peux ou détruire la Terre ou la sauver. Et encore une fois, on laisse le choix aux enfants. Dans ma collection, il y a une notion de conservation aussi qui est très importante. Je m'efforce à les trouver en boîte, en parfait état, avec tous les accessoires, les notices d'origine, parce qu'il y a tout un côté graphisme aussi que j'aime beaucoup dans ces jouets-là. Donc je veux tout avoir en parfait état, la pièce à sa place, et chaque fois, je me dis, je n'imaginerai même plus ma collection sans telle ou telle pièce. Donc voilà, c'est un travail en 20 ans, un petit peu, qui se construit au fur et à mesure. Et moi, je suis toujours fasciné par chaque acquisition, c'est quand même une petite histoire derrière. Parler du Mekong d'ADX tout à l'heure, ça me ramène par exemple même avec mon père, quand on a découvert celle-là, on s'est tout de suite dit, mais c'est un jour, il faut l'avoir. Et je pense que moi, cette pièce-là est une quête. Comment en 20 ans, on essaie de l'avoir, et comment on la trouve. Donc si on reprend tout le travail en fait, c'est assez joli. Donc là, on arrive dans une vitrine qui met à l'honneur une espèce de déclinaison des tokusatsu. Donc là, on a Ultraman, hein, et puis on a également des monstres mi-robots, mi-créatures qui sont de l'univers des kaiju, donc ces monstres gigantesques type Godzilla. Là, on a encore des versions mi-robots, mi-créatures.
Alors, on se retrouve devant le, bah, devant l'entrée de l'espace Richaud à Versailles, près de Paris, pour faire un petit débrief sur cette incroyable exposition. Enfin, moi, qui suis fan de robots, qui a grandi avec tous ces différents robots que vous avez pu découvrir, ça m'a vraiment touché très profondément, on va dire. Donc, c'est sûr que voilà, comme je le disais en introduction, c'est un contenu un peu différent par rapport à ma passion pour les dolls et les Barbie. Mais voilà, j'avais vraiment envie de découvrir cette exposition. Donc, je tenais à saluer et à remercier Baptiste Caillot, donc la personne que vous avez pu voir dans les vidéos, qui est donc le commissaire d'exposition et certainement le propriétaire de tous ces robots, pour avoir réussi à mettre en place cette exposition. Donc ça balaye quand même plusieurs décennies, les années 60-70, une grande période pour la création des robots à travers ces jouets qui étaient aussi mis en scène dans des dessins animés. Je tâcherai de vous mettre en barre de description des liens pour découvrir certains épisodes parce que vous pouvez, même si les séries animées dérivées de ces robots, mettant en scène ces robots, enfin, beaucoup n'ont pas été traduits ou n'ont pas été diffusés dans les années 70-80 en France. On peut en découvrir certains épisodes sur YouTube. Donc je tâcherai de vous mettre ça en proposition. Ensuite, voilà, l'exposition a lieu jusque mi-février. Donc n'hésitez pas à venir la découvrir. Encore une fois, un grand merci. Pour ce grand moment très émotionnel. J'ai également énormément apprécié la partie sur le Super Sentai. Voilà, alors c'est vrai que pour bon nombre d'entre vous appellerez ça les Power Rangers. Moi, je sais que quand j'entends ça, ça me hérisse. Mais voilà, l'origine des Power Rangers, c'est le Super Sentai et le Tsukusatsu, donc qui était également mis à l'honneur dans une des galeries de cet espace Richaud qui, si je me trompe pas, était certainement un ancien hôpital. Voilà. Et enfin, on a pu aussi découvrir des propositions de robots de marques telles que Takara, avec ces dolls. Hein. J'étais surpris de trouver malgré tout des dolls. Hein. Les dolls sont partout. Voilà, et puis également les Micromans et puis les Transformers. C'est devant ce paysage enneigé qui change de Grande Canaria que je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Et puis je vous donne rendez-vous très vite sur Toy Carnival.